Bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester tous les produits. Enfin, pas tout. Sorry. Une bonne partie des produits de ma nouvelle rotation make-up. Donc, la palette Vilain et Colourpop de jadis qui ressemble à ceci. On va commencer avec ça. Et pas mal. Tous les produits pour le visage, on va les mettre aujourd'hui. Un seul rouge à lèvres. Et on commence tout de suite sans plus tarder. Oh, je vais avoir des pinceaux bien frais aujourd'hui. Attention, qu'est-ce que je prends? C'est dur. Je prends mon paint-pot de MAC. S'il veut bien se présenter, merci. Un jour, je l'avais rangé. Je me suis dit, oh, je vais le mettre dans ce pot. Comme ça, je ne vais pas oublier. Ce jour, c'était la semaine dernière. J'ai oublié. Ok. Prenons la palette. J'avais envie de faire quelque chose de neutre. C'est... Who am I? I don't know. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Tragic. Et je vais mettre ça comme couleur de train de chien. Ça va être un look assez simple. Je sais pas si au final ça va être simple. C'est l'intention. On dirait qu'on se sent un peu plus confortable quand on fait des looks neutres. Je sais pas. On revient à la maison. Ok, ensuite je vais prendre un pinceau plus petit. Celui-ci de Belly Beauty Bay. Ou ELF. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Devious. Qui est ce brun plus foncé qui va être ma couleur de cuisse. J'aimerais bien qu'ils refassent une collection avec les vilains. Il y a eu plein de collections avec les princesses, mais peu de collections avec les vilains. Je prends ce pinceau de Nabla et je prends la couleur qui s'appelle 101, comme les 101 dalmatiens, qui est ce noir. Je sais pas si c'est un noir ou un gris très foncé, je ne me rappelle pas. Je dirais que c'est un noir qui est facile à travailler. Agréable. Je vais reprendre la couleur Devious et estomper les extrémités. Et je vais reprendre la couleur Tragic pour re-estomper tout. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Revenge, qui est ce noir pailleté. Parce que pourquoi pas. Avec un pinceau plat de Moda Brushes. C'est les mats avec des petites paillettes. Là c'est pas foufou mais... Ça va ajouter un petit sparkle. Ça va, ça va. On aime bien. Les noirs pailletés dans les palettes c'est toujours bienvenu aussi. Si quelqu'un passe par là, je voulais juste vous dire. Je reprends la couleur 101, le noir mat. Et j'estompe un petit peu. Ensuite, je prends la couleur qui s'appelle Sing. Oh, le brun. Pailleté avec ce pinceau de chez BH Cosmetics. Waouh. Il est très beau celui-là. Tout part en miettes hein, dans cette palette. C'est comme un brun bordeaux, il est superbe. Je prends rien de plus avec le pinceau avec la couleur Revenge. Je fais juste une transition. Ok, ensuite. J'ai pris un Super Shock Shadow. Collaboration avec les Muppets. Et ça s'appelle Waka Waka. Et celui-ci. Je me suis dit, ça irait super bien avec. En fait, c'était le phare d'inspiration pour ce look. Très beau. Je vais reprendre la couleur bordeaux. Sing. Et réappliquer un petit peu parce qu'elle a disparu. Chouette. Ensuite, je reconstruis le phare.
Je vais prendre la couleur qui s'appelle... ça veut dire quoi? C'est un Moon Grill... Moon Grills? Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Avec un petit pain chaud et je vais mettre ça en coin interne. Superbe couleur de coin interne. Superbe, très contente de ce look. Je vais enlever l'excédent parce qu'il y a eu pas mal de chutes. Passons au teint pour le moment. Je prends toujours mon primer de chez Maybelline. Passons au fond de teint. Toujours le même, Estée Lauder. Le Double Wear. Qui va me durer, je pense, toute l'année. Ok. Ensuite, passons au highlighter crème, celui de Maybelline qui s'appelle Warm Nude. Rappelons-nous, j'ai tout ça à terminer. Hein. C'est un objectif. Hein. Il y a des gens qui ont des objectifs, genre faire du sport et tout. Moi, c'est ça. C'est beau, ça, comme couleur. Je suis déjà rendue jusqu'à là pour un highlighter. Hein. Parce que peut-être je l'aime bien. Je sais pas. C'est un guess comme ça. Ok. Ensuite, blush crème. Celui-ci de Bare Minerals qui s'appelle Mauve Sunrise. Vous savez ce que j'en pense? Pourquoi ça fait partie de ma collection? Je sais, mais je l'ai eu gratuitement et j'avais bien aimé la texture. Et pour le coup, mais la couleur aussi était vraiment pas mal. Je suis open. Je vais prendre ce petit pinceau pointilleur de chez ELF. Si mauve que ça, c'est plus rose que mauve. Je prends Patrick Ta pour faire mon bronzer et je commence par la couleur crème. Ça se gomme bien. Ok, il est mis un peu trop. Hein. Ça n'est pas grave. Je vais maintenant poudrer mon dessous d'œil. Non, parce que j'ai pas mis de concealer. C'est ça qui se passe aussi là. J'ai failli poudrer un truc que j'ai pas. Je sais pas à quoi ça sert ce que je fais là. Parce que j'ai déjà mis mon highlighter et tout. Nul. Attendez. Faire le dessous d'œil avec un pinceau fluffy. J'adore faire ça. J'aime bien changer de pinceau, mais j'avoue que avec un pinceau comme ça là. Alors ça, c'était un pinceau que j'avais eu gratuit, je pense, avec une commande BH Cosmetics un jour. Boum. Ok. Je prends la poudre de Jaclyn. Jaclyn qui apparemment devrait nous sneak piquer quelques trucs ce week-end, je sais pas. J'ai vu ça sur le compte Insta de Jaclyn Cosmetics. C'est ce qu'ils ont dit. Je sais pas si c'est la vérité ou s'ils essayent de calmer nos ardeurs. Mais je suis très curieuse et j'ai très hâte. J'ai vu aussi que Nomad Cosmetics allait sortir une nouvelle palette le 28 mars. C'est écrit sur leur Insta. J'ai pas de insight. Je ne me suis pas rendue à ce niveau. Ensuite, passons au produit poudre. C'est comme je l'ai redécouvert. Fuego de Dose of Colors. Alors ça, si je ne m'abuse, ça n'existe plus. Mais si quelqu'un le vend pour le retrouver quelque part, il me semblait que c'était un très beau produit. Oui,
Très bel highlighter, un peu ambré je dirais. Sympa, très sympa. Blush, alors là c'est la surprise. Hein. La première fois que j'ai utilisé c'était une catastrophe. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Genre ça. Et je vais aller doucement. Ouh, c'est chouette. Ok, j'aime beaucoup. C'est un blush de Marionneau. Je sais pas si... Nous, ici, on n'a pas de Marionneau au Canada, mais... Je sais pas si ça existe toujours ou quoi. Je l'avais acheté en 2020. En Thaïlande. Dans un magasin qui n'était pas du tout un Marionneau. C'était... Vous savez, les boutiques cosmétiques asiatiques. Et il y avait cette marque... Il y avait que ça de cette marque-là, d'ailleurs. Ok, ensuite je vais faire mes sourcils hors caméra et je vous reviens dans un tout petit instant. Non, pas du tout. Je suis perturbée aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'ai oublié Patrick. Les produits teints sont vraiment très sympas. Point du yeux aussi. Cool, je reviens. C'est vrai, là j'ai fait mes sourcils. Dans un tout petit instant, attention! J'ai fait en bas la même chose qu'en haut et j'ai mis des paillettes sur mes sourcils, mais j'en ai aussi mis ici. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je sais pas si c'était une bonne idée, ça tombe dans mes yeux. J'aime pas trop ça. Setting spray. Ensuite, il nous reste. Ceci, j'ai pas mis de fossiles, j'ai mis le mascara, le Max Tac toujours, parce que je l'aime bien. Et j'ai l'impression qu'il fait office de fossile des fois. Voilà. J'ai dit que je mettais ça. Oh, moi j'ai commencé à attaquer le truc. Je vais mettre le Kevidi sale. Je sais pas c'est quoi le nom, je pense que c'est Lolita. De toute façon, ça a changé de nom, alors on s'en fout. Je suis la personne qui a continué à overliner. N'a pas de limite. Cette couleur est fantastique. Est-ce que c'est bien ça? C'est écrit tellement petit, les amis. Je ne sais absolument pas. C'est pas ça. Je crois que c'est... Si! Je vois rien du tout. Je vous le mettrai dans le... La barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour ce look. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. J'espère que vous avez sorti aussi la palette et que vous allez l'utiliser au cours de ce mois. C'est un petit peu l'idée de ce genre de vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!